et bienvenue sur Dragon Age Inquisition, quatrième épisode de suite sur l'Oasis Interdite, et c'est le dixième de Dragon Age. On se retrouve après une baston magnifique, on a compris comment ça se passe, les patterns, et il nous manque quoi? On a découvert toutes les reliques, on a trouvé le temple, Solasan, ça va être ça, et il nous reste deux portes à ouvrir, on manquait de ça, on pourrait peut-être retourner là-bas, et sinon on a des quêtes à faire dans une grotte avec plein d'araignées, une mineuse qui cherche une alliance et le feu capturé. Une chaleur inquiétante émanant d'une porte verrouillée. Ça, c'est le temple. Tout ça, c'est le temple, ok. Eh ben, allons-y. Et dans le chat, merci à vous de me suivre toujours patiemment. Et c'est vrai que comme je suis chaud dans le jeu... Encore des hauteurs. Bon, on a des loots, mais de l'infini, quoi. Est-ce que je descends par là ? L'autre fois, j'avais sauté et on arrivait directement au temple. Mais oui, c'est ça qu'on veut. On veut le temple. L'ocularum a été vu. C'est étrange que les éclats nous aient conduits ici. Oui, c'est étrange. C'est vrai, Cassandra. À chaque fois que je passe là... Pourquoi? C'était mon repère. On y retourne, on connaît. Je suis pas sûr d'avoir assez de reliques quand même, j'ai un doute. Hein. Ça c'est pour repousser les démons, ça a été activé. Je n'ai pas la torche pour lire la marque. C'est vrai que ça j'ai pas vu où ça se prenait. Y a pas une torche verte magique quelque part? Non. On va retourner voir si on peut ouvrir ici. Ah, on n'avait pas tout trouvé, tu vois. Un renard de verre. Bon, c'est les matos qui se vendra. Est-ce que par hasard, ça repop? 1, 2... Oui, on peut! Non? Non. Pas assez d'éclat. Donc j'aurais dû choisir qu'une voie. On a le même accès pour le froid, c'est bloqué. Et la verdure, on n'avait pas assez d'éclats pour ouvrir. Et là, comment ça se passe? Là, on peut ouvrir. On va retrouver des archers zombies, attention. Bah, salut. Ah non, c'est carrément un cadavre. Eh ben, on va balancer une boule de feu. On va lui montrer la puissance. C'est vraiment pas un problème là. Ok, on est chaud. Ici, on entend l'oreille, on entend gargouiller des zombies. Et on va ouvrir le sarcophage. Allez. Ça rappelle un peu les bruits qu'on a dans New World. C'est rigolo. Essence d'esprit, matériel unique. Ok, en spirituel plus 2. Il faudra peut-être revenir au temple alors. Avec plus de reliques. On va voir. J'ai oublié de faire la notification pour dire que c'était le 10ème épisode. Crotte. C'est pas grave. J'entends une bête gargouiller derrière, on est d'accord, hein. Mais là, il faut 4 reliques. Ouais, je n'en ai plus. On va finir par la grotte des araignées. Oh, mais j'ai loupé des choses. Autant d'or, on va pas se priver, on va se faire plaisir. Ce qui fait penser que oui, on a augmenté de niveau avant de continuer l'aventure. On va aller voir du coup
Niveau 6. On est bon en foudre en ce moment, on est très très bon. Là, résistance magie moins 2%, dégâts, 100% dégâts de l'arme. Dégâts supplémentaires, mais s'ils sont terminés aléatoirement. D'accord. Coup de tonnerre. On peut paralyser quelqu'un. Ça pourrait être bien de paralyser un mage ou... Tempête naissante. Je pourrais devenir très fort en foudre en fait, hein. Ça me plaît. Hein. Ok, t'es qu'à mon CVU. Solas, mage de froid et également ici, mais renaissance. Ok, c'est pour débloquer les copains. Mais on n'a pas travaillé ton froid, Solas. Solas, lui, n'a pas de points à mettre. Mince, excusez-moi. J'avais cru que Solas était intelligent. T'es qu'à mon CFF. Varric non plus. Ah! Inventaire. Accessoires. On a des ceintures de résistance. On a une 15%, ce serait quand même mieux. Parce que là, on a quoi? Voilà, c'est mieux. On a une résistance au feu avec Varric. On va lui laisser. Et qu'est-ce qu'on a comme anneau? On a dégâts, capacité voleur, anneau de tir sauté amélioré. Ça, on l'a, ce sort-là. Mais par contre, la nutrition, on s'en fout un peu. Ça pourrait être le tank. Anneau de frappe amélioré. C'est quoi, ça? Frappe obscure. Oui, mais... Bon, allez, c'est pour le voleur. On va le prendre par défaut. Cassandra. Par contre, on va te donner la fissure à toi. Ça, c'est clair. Là, on n'a rien. 50 de santé. Oui, on va lui laisser. Hein. Et Solas, est-ce qu'il a une ceinture, Solas? Solas n'a aucune ceinture. On va dire que tu résistes au spirit. Par défaut. Ça, c'est pour guerrier. Donc, voilà, on a fait le tour. On continue. Ah, je l'ai trouvé. J'ai ma torche. On va aller voir le signe. Est-ce qu'on va apprendre quelque chose de plus ? Le sens des mots écrits dans une calligraphie ancienne et fluide est d'abord obscur. Puisse la voix te mener à la bénédiction tant méditée. L'image fugace des silhouettes s'agenouillant de proméditer apparaît. Une lumière les enveloppe brièvement. Ouais. Méditons, mais on nous manque des choses. Il manque un site aussi. Je pense que c'est juste ça, hein. Je suis frustré. Il me manque du pouvoir. Ok, on plie les gaules. Ça, on sait qu'on peut pas ouvrir, hein, de toute façon. Mais d'accord. Bah, non. J'ai peut-être fait une bêtise en ouvrant les trois portes. J'aurais pu aller au bout d'une. C'est ça le choix que je n'ai pas fait. Ce qui veut dire qu'à chaque fois... j'ai même pas sauvegardé, dis donc. On va être prudent. Ce qui veut dire que j'aurais changé mon bonus. Ah mais non, c'est comme ça qu'on gagne. Magie a augmenté énormément, 24. Même pas, on voit rien du tout. Comportement. Je sais pas, c'est pas clair. C'est pas clair du tout. C'est pas grave.
Bon, il nous faudrait grimper. Est-ce que par là on peut rejoindre la grotte? Je ne sais pas. Allons voir. Ah oui, c'est carrément des corps qui sont laissés dans des jarres en momie. Ouh, bonjour! Excusez-moi, mais j'avais pas appris un sort. Non. Bon, la bonne nouvelle, on doit être sur le bon chemin. Vas-y, loot. Non? Ça pue les araignées. Ah punaise. Ça y est, c'est décomposé. Elle a rien donné, la bougresse. Alors dans Dragon Edge 2, on peut revenir sur les zones au fur et à mesure des quêtes qui se débloquent. Est-ce que dans l'acquisition ça marchera toujours pareil? Est-ce qu'on est bien là? Oh, on s'est éloigné. On va plutôt à la grotte d'araignée, attends. Évidemment, si je pouvais consommer mon café, ça serait encore mieux. Et encore elle, mais c'est pas possible! Attends, on va lui mettre la puissance, Max! On va surtout reculer jusqu'à ce que le tank la prenne. Oh, le style! Le style de la baguette! Voilà, et elle, elle a looté un écor d'araignée. Bien! Par là. J'ai horreur de ça, mais allons-y. Ah, mais je veux pas descendre, moi. Ah ouais, c'est pas terrible, tout ça. C'est pas ce qu'on veut. On est revenu au bassin intérieur. Il faudra un moyen pour grimper. On va quitter le bassin. Et les hyènes ne tombent pas dessus, tout va bien, on va pouvoir grimper par là. Nickel. Hop! Allez, Queen. Un técamon avec du café, c'est un técamon qui carbure, on va y arriver! Je suis bien là. Normalement. On est bon. On va voir si on tient par rapport au début. Eh, mais ils ont up. Ça y est. Non, mais je vous jure. Varric, niveau 6. Eh ben, on prend toujours Bianca. Tir détonnant. Un tir puissant qui explose à l'impact, infligeant des dégâts aux ennemis proches de votre cible. Ouais, on l'a, ça. Oh, oursin, c'est top. Une salve de flèches. On applique, on apprend, c'est cool. Alors, Cassandra, tu as un point aussi. Épée bouclier. Détermination du guerrier. Endurance 10% pour tous les 10% de santé perdue. Tu gagnes en endurance, ouais. Et la force de l'ours. L'ennemi ne peut pas vous attaquer à revers. Moins de chance de vous étourdir. Étourdir. On bafouille, on valide. Cassandra s'est vue et Solas. On a dit qu'on allait dans le froid pour Solas. Mur de glace pour garder les ennemis à distance. Je prends. On valide. Ça c'est beau et on va dans l'inventaire. Parce que dans l'inventaire. Il
Il y a un bouclier, on va voir ce que ça vaut pour Cassandra. Ah, il faut atteindre de niveau 10. Alors, on a le temps. On a le temps, on a le temps. Cri de guerre amélioré, fissure. On va prendre ça quand même. On va voir ce que ça vaut. Ça c'est ok. Ok. On a tout vu. On ferme. On va même re-sauvegarder. Parce que là j'ai un peu le stress de la mort des araignées. Mais ça a l'air d'aller mieux. Les deux dernières quêtes de l'endroit et on pourra rentrer chez nous. Ça reste de yens, ça? Ah non, Fennec. J'ai rien dit. Bon, on y retourne. On y retourne, sauf que ça grouille d'araignée. C'est moche. On va même lire le texte. La torche les fera fuir ou les attirera. Non, je ne pense qu'ils fuiront. Ouais, mais d'accord, mais la torche, comment? Elle est ici, la torche. Ah, c'est peut-être pour ça. Non, c'est une pierre de serpent. Crotte de crotte, on va mourir. Allez, on bourrine, on réfléchit pas. Ah, elles sont trop nombreuses. Sort d'à eux. Ouais, elles sont trop fortes. Bon, elle encaisse mieux. On peut pas rentrer pour l'instant. Sort d'à eux, c'est parti. Je me fais mal et je suis mort. Ah, on va tous mourir. Ok, c'est pas bon. Est-ce qu'il y a une torche? Est-ce qu'il y a une torche? Une torche, une torche. Ah. On va faire continuer, attends. On reprend la dernière sauvegarde. Ça passe pas. Elles sont tellement nombreuses. On en a tué plein par contre. On était bien là. J'aurais pas dû rentrer dans la grotte. Ah, et puis il me reste que 4 potions. Oh non, mais j'ai pas envie de redescendre au camp. Quatre potions. Y a pas moyen direct là de rentrer à la maison, plus sympa. Oh, on est loin là. Attends, il y a le camp ici. Attends, on va jeter un œil. On a le temps, c'est pas le stress. On va réfléchir. Bon, là, il y a un petit camp, mais c'est pas ça. Je pense qu'il nous faut des potions, on va pas faire les kékés. Ça manque un peu. Ah ouais, c'est tout en bas. Ah, tu fais suer. On adore se faire mal. Allez, on se repose. On se repose, on mérite. Et on va faire le plein de potions. Ce serait où? Voilà. Ça c'est top.
Après, je me demande si ça vaudrait pas le coup de prendre les grenades quand même. Oh, il y a des trucs. Allez, on va faire des lotus sanguins, feu anti-van, on va faire ça. On va laisser tomber la régénération. Inspecter réquisition, est-ce qu'on peut aider? Oui. Ok, ça on a réussi. Du nouveau pour vous. Ah, au rapport. Qu'est-ce qu'il y a? Ça pourrait nous aider. Étude sur zone à toute acquisition, plus 1, recette obtenue, étude sur zone des cavernes, oui. Bon, on a refait notre stuff. Comme à chaque fois. Voilà, il va falloir regrimper. Purée. Mais le passage est juste là, on est bon. En fait, c'est pas con, hein. Ils l'ont mis au bon endroit. Ça va être le quatrième ou cinquième try sur les araignées dans la grotte finale. J'ai le quatrième. Et cette fois, j'ai pris les grenades. Je me mets bien. Voilà. Ça, j'ai les touches en QWERTY. Mais non, un yen encore. Allez, mais bien sûr. Et l'autre, il m'attaque. Des hyènes qui sont plus fortes que toi, t'imagines? Voilà. La copine, elle y passe. On va la cramer. Ok, assez d'XP, on prend. Avec plaisir. Dents de hyène et cuir de canidé vendu, tout le monde est là. Putain, on aura farmé cette map, mais c'est impressionnant ce matin. Four de Fennec. Et l'autre hyène n'a rien donné. Non. Bon. On va se faire mettre quelque chose de propre, on va se refaire une sauvegarde devant la grotte. Et il va falloir qu'on y arrive, on a 20 minutes pour y arriver. Ça me semble correct. On va sauvegarder. Voilà. Tranquille, le tech, ouais. C'est surtout que je ne trouve pas la torche, tu vois, ça me raconte que tu peux les faire fuir avec une torche. Attaquer massive, annuler l'action, poney... La torche, elle s'allume quelque part, mais ici, il n'y a rien. Il y a du loot, ce qui est ridicule puisque je vais mourir. On va réfléchir à la question. On va reprendre le bouquin. La torche les fera fuir, on les attirera. Donc c'est la torche ici, il faudrait pas dépasser la torche, si on la dépasse on se fait tuer, ça va être ça le truc. Ce que j'avais capté avant. Okay, j'en détecte 4. Ça passe, ça passe, ça passe. Ok. Une de morte. Mais ça a l'air d'aller. Alors, je ne dis pas que j'ai mes grenades. Reviens, reviens. Reviens, Cassandra. On est bien. En voilà une autre. Mais à chaque fois... On va focus les deux. Hein. Euh,
Dis-moi, Varric, on a un problème. Est-ce que tu pourrais pas faire quelque chose? Tire détonante, chauffe-strap. Dis-moi, chauffe-strap. Là, c'est bon. Et c'est moi qui suis mort. Ah, punaise! J'ai pas envie de mourir. Voilà, on l'a engourdi. Mettez-vous d'accord, ça c'est bon. Lui, on l'a congelé. On va essayer de faire plus fin. Et du coup, on va attaquer celle-là. On a le mur de glace. Dissipation. On va essayer de tenir. Ah, mon perso est là. Est-ce que je pourrais faire quelque chose? Non, je peux pas le ressusciter. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Revenez avec moi. Ah. Ça a l'air d'aller. On va faire une micro sauvegarde, c'est passé. Non, c'est pas de la triche, c'est de l'utilitaire. Salut Patrick. Eh oui, c'est comme dans Satisfactory. J'ai toujours des araignées en fait qui m'embêtent. Je suis d'accord. Surtout que là, j'ai bien avancé ce matin dans l'Oasis, la map. Là. Deuxième map qu'on fait sur Dragon Age. Il ne me reste plus que cette grotte là à faire. Et j'en détecte encore une. Hop, on va demander... Oh, attends, on va carrément la griller. Voilà. À toi, ma chère, d'aller le charger ou pas. On va laisser faire. Allez, on va se faire. Est-ce qu'on se fait là-haut? Pas tout seul. On gère. Ah, puis il nous régène en endurance, ce Solas. Et on voit au sol les pointes que Varric a lancées. Les choses trappent. Œuf, corps d'araignée, glande d'araignée. Cool. Bon, il y en a encore. Mais dis pas que c'est infini. On va balancer une. Oh, on va les cramer. Ah mais c'est Varric qui a fait un bond en arrière avec son arbalète. Ne me demandez pas ce que je vois du combat, je ne vois rien du tout. Il nous reste 4 potions, on est bien. Apparemment ça va. On va se mettre quand même la map tactique cette fois parce que je ne vois pas où est la cible. Il nous reste une araignée là, 2 araignées là. Oh punaise, qu'est-ce que c'est beau là, tiens. Est-ce qu'on peut descendre? Attendez, moi je me régale là, j'ai un screen topissime. On verra laquelle est la meilleure. On va se lancer une petite bombe, on va les recramer. Bon, elle encaisse dur. Laquelle elle tape?
dans les flammes de l'enfer. Allez, allez! Elle a pris sa potion, c'est bon! Ah ouais! Non mais c'est à l'infini, hein! Encore une là. Fini les araignées. Oh, mais c'était de la folie. C'était de la folie. Anormal. Hein. Ah, on a réussi la grotte. Punaise. D'accord. Et comme je suis parano. Oui, on va sauvegarder parce qu'on a bavé sur ce truc-là depuis ce matin. Voilà. Scan, on va réussir des quêtes. Il reste une grenade. Non, non, je voulais pas la lancer. Du matos à vendre. Oh, ils entendent crier. Il y en a une qui arrive, hein. Pas possible, c'est bestiole. Par contre, je suis très content de mon sort barrage d'énergie. Il fait du dégât. Ok, vendu. On va tout ramasser, hein. On a des torches à allumer. On va se battre. C'est pas une torche magique, ça. Et si je mets les torches ici, normalement, elles repopent pas. On est d'accord. Ok. La torche ici aussi, on va protéger. On va faire les 4 accès. Elle encaisse dur, parce qu'on dirait ma belle-sœur pour la période Noël. Ah oui, d'accord. C'est bien, ça me détend. Fouillons la pièce quand même. On a une quête qui est par là. Champignon des tréfonds, c'est bon. On va allumer. On peut pas ouvrir. Trouver la clé de la porte. Oui, bien sûr. On sera dans Valheim là. Ah, il y a encore des loot des corps d'araignée, je suis obligé de les prendre. Voilà, on fera des potions sympas avec. Là, tu joues en solo, je te dirais, retourne au camp, t'as sauvegardé, t'as mis des torches, refais ton plein de potions. Je suis en live avec vous. Bah non, non, on va le jouer en bois. Je pense que c'est la quête qui est derrière, d'accord. On va aller par là. Des pièces et une alliance. Ah, super, on a retrouvé. Donc on a une première quête de réussite. On pourra rendre là-bas au camp, c'est cool. Et nous, il nous reste du coup le feu capturé. Bon, ça c'est le temple. Ça on l'a vu, c'est bizarre. La porte de la grotte de Parra. Il y a une porte verrouillée dans la grotte de Parra. Ouais, super, d'accord. Quelle on pourra rendre après. On prend l'opposé, on n'a pas le choix. Masse d'armes. Ouh, c'est beau ça. Oh, ça va être pour notre chère Cassandra. Non, c'est pas là que je veux, c'est inventaire.
Ah mince, tu n'as pas accès à ça. Niveau 7, il faudra attendre. On va la garder sous le coude. La masse d'armes est au niveau 7. Et première de Templier, niveau 8. Donc on a deux armes d'avance pour elle. On va monter en puissance, d'accord. Placer dans un objet de valeur le sceau de l'orageur Gamordan. Non. On verra ça tranquillement. Bon. Il semblerait qu'on ne peut plus rien faire ici pour l'instant. Je pense qu'il faut retourner donner l'alliance à la mineuse. Elle donnera la clé. Sinon on retournera au camp. Bel baston, franchement c'était du délire. Et du coup nous on va aller voir Lamis pour ce que ça vaut. Mais c'est pas vrai. Mais crève. Alors, c'est aggro. C'est cool. Hop. Bon, j'aime bien le courant, hein. Ça passe. C'est bon. Elle repop un peu vite, les yens. Hein. Ok. On va essayer d'en trouver la nana. Qui se trouve là? On n'a pas accès par là, j'ai pas vu d'accès. On va jeter un œil au cas où, sinon il faut descendre dans le bassin. Je vois qu'il y a un ennemi dans la grotte en bas là. Mais ouais, on n'a pas accès. Super. Vous passez vraiment la majeure partie de votre temps dans l'immatériel? Autant que possible. L'immatériel contient une myriade de connaissances pour ceux qui savent où chercher. C'est pas possible qu'ils ont popé. D'accord, mais je ne sais pas comment vous rêvez, et encore moins comment vous vous baladez là-dedans. Surtout quand les saloperies qui sortent de l'immatériel ont l'air des plus imprévisibles. Les Allez. Humains le sont aussi. Et ça ne nous empêche pas d'interagir avec eux, quand il le faut. En plus, on les aime, on discute pendant un combat. Non mais c'est n'importe quoi. Pas grave, on fait de la peau de chien. Allez. Toujours 6 découvertes, 7 sur 8, ça me frustre un peu. On peut pas aller par là. Pas retour. A bientôt Patrick, merci de passer. Donc du coup vous reverrez les épisodes sur ma chaîne YouTube retravaillés. Non, c'est le mardi et le jeudi que j'ai les pop. Hein. Ça va être bien, on va voir ce que ça va donner. Alors attends, là je suis parti trop loin. Ah ouais non, il faut vraiment que je descende. Mais c'est pas possible. Comment j'ai fait? On n'a pas accès comme on veut. Donc il faut carrément descendre. Je pense plutôt que c'est ça. On va descendre en bas le plus possible. Mais ça sent la mort. Ça sent la mort. Ou pas.
Ah. Est-ce qu'on est bien par là? Non, mais là, c'est le temple. Là, c'est pas la peine. Oh, c'est bizarre quand même, elle serait pas dans le temple. Au-dessus du temple. Trouver un autre passage. Parce que ce n'est pas là. On se perd. Hein. Je sais pas, on va grimper par la droite, on va voir. Ou alors faut aller encore plus bas. Et on passe en dessous. Ça va être ça. On va la remarquer. Là on a l'air de partir par là. Moi j'aurais dit par là. On va voir où ça mène. Ça nous éloigne. C'est pas bon. On va faire le tour du bassin. J'ai un doute, hein. Je sais pas si vous en souvenez dans le chat. Hop, passage. On s'éloigne de plus en plus. Ah, c'est peut-être bien ça, hein. C'est ouf. Qu'est-ce que j'ai pu manquer? Bon, on tente. Sinon, on revient au camp. Parce que dans la grotte des araignées, c'était bouché, quoi. Il n'y avait rien de plus. On lootait, au revoir. Alors, elle était sympa. Elle aurait popé à côté, dire merci, mon alliance, cool, au revoir. Même pas. Ah, on tourne dans le bon sens, dites donc. On va entendre ces bruits. Ramasser mon tech. Le jour. Oh. Épine de dragon. Ok. On est dans la remontée à la passerelle. On est revenu là, mais c'est pas possible. Tiens, c'est marrant, il y a encore un truc là, une faille d'oasis. Ce serait un site intéressant à aller voir peut-être. Vous savez quoi, on va aller par là. Est-ce que ça vaut... Est-ce que je peux descendre? Oui, on va redescendre. On arrive au temple encore. Je vais devenir fou, hein. Alors, on revient... Et en fait, on va aller là-bas. Ok. Ah, on n'était pas si loin. Avoir une réponse. On va recharger nos potions. On va être prudent. On va aller au camp aussi. Et donc ici, il y a quoi? Qu'est-ce qui me manque comme potion? Activer le suivi. Trouver la clé de la porte. Oui, bien sûr. Alors, ça veut dire que la clé peut se trouver n'importe où ici. T'es pas sérieux.
Je pense qu'ils sont sérieux. Le camp est là, par contre, on va se recharger. Et là, c'est déjà la fin de l'épisode. Eh bien, écoutez, c'est pas si mal. On va reposer un peu l'équipe. Ils ont bien souffert avec les araignées. On va faire plein de potions. Voilà, c'est en craft. Et au prochain épisode, on va chercher cette clé pour la grotte. On va y réfléchir. Et ce sera avec plaisir. YouTube, merci. Le combat titanesque est fini. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye tout le monde.